c'était une rencontre très agréable qui a permis au PPS aujourd'hui de dialoguer, de se concerter avec le monde de l'entreprise sur les grandes idées qui sont les nôtres par rapport au programme électoral, comment porter haut et fort l'économie nationale et aller dans le sens d'une régénération, d'une émergence nouvelle qui permette à l'État de jouer un rôle d'orientation, de régulation, de porter un secteur privé fort, de lutter contre l'informel, d'investir dans des secteurs porteurs aujourd'hui, et comment dans le même temps faire en sorte que, au sortir du Covid, avec les impacts difficiles sur le monde de l'entreprise, comment développer une approche qui permette de soutenir l'entreprise, d'éviter les faillites en chaîne, d'éviter les pertes d'emplois et de relancer la machine. Nous avons proposé un certain nombre de choses à ce niveau. Un deuxième axe sur l'humain, le social, l'éducation, la santé, la protection sociale, comment porter cela haut et fort. Et enfin, un axe porté sur la démocratie, la politique, la confiance, le rétablissement, la réconciliation de la confiance entre les citoyens et les citoyennes et la chose politique, la forte participation aux prochaines élections pour changer le cours des choses. Nous sommes en phase de discussion du nouveau modèle de développement. Des idées intéressantes ont été avancées. Il faut le portage politique pour ça. Une société de progrès, une société de démocratie, une société de liberté, une société qui puisse garantir que le Maroc y croit de nouveau et les enfants du Maroc aient confiance dans leur pays. Voilà, c'est la prise de contact avec les partis politiques. Aujourd'hui, c'était le Parti du Progrès et du Socialisme avec M. Nabil Ben Abdallah. On a essayé un petit peu de lire et de défricher le terrain pour savoir comment vont se passer les élections. Et moi, je crois qu'il faut croire en notre pays et que tout le monde doit croire et voter pour que ça ait un sens. Voilà, le vote. Que les élections aient un sens. Sinon, ça ne signifiera jamais grand-chose.